Première destination de cette ronde des structures de l'État dans la ville de Monsenjo, le marché de Monsenjo Gare du quartier 9 dans le 2e arrondissement Itibou, où reçu par le comité du marché et le chef de quartier, le député maire a fait le tour, s'informant de son engouement. Ouvrant généralement tôt, les marchés de Monsenjo se vident au fur et à mesure la journée pour revivre dans la soirée au retour des chasseurs et agriculteurs. Toujours au quartier 9, le centre de santé intégré en construction, fruit de la municipalisation accélérée, un chantier où beaucoup reste encore à faire. Puis ce domaine, réservé jadis au personnel soignant, aujourd'hui tombé en ruine. La piste de l'aéroport de Mourala, pratiquement dans l'herbe. Dans une ville où nul n'est au-dessus de la loi, il y a cette direction générale de l'administration pénitentiaire, cellule provisoire. La maison d'arrêt de Monsenjo. Ici aussi, le premier citoyen de la ville, François Ndouna, s'est enquéri de la situation des détenus, notamment des conditions d'incarcération, non sans visiter l'ancienne bâtisse. Le marché Banda, c'est cette autre destination où les populations ont eu l'occasion de féliciter leur nouveau maire. Juste à côté, la gare routière qui n'a pas échappé au contrôle. Enfin, dans le premier arrondissement Boilly, le marché central. Là-bas, le maire s'est rendu compte du prolongement de ce marché dans quelques avenues et des vendeurs étalant la marchandise à même le sol. Il va sans dire que le travail sera rude et il a déjà commencé, comme le traduisent ces images.